Il est temps de trouver un plan B. Quand j'étais petit, j'étais souvent convoqué, moi aussi, dans le bureau du directeur. Je sais quoi leur dire à ces gens-là. Vous pouvez entrer. Bon, j'y vais. Olys, laisse aller. Les devoirs à la maison ne sont jamais faits. Elle progresse. Nous avons presque tout fait cette semaine. Je pense que c'est vous qui avez tout fait cette semaine. Non, elle a colorié le tournesol. Monsieur Nagel, voici ce à quoi je m'attendais, et voici le travail de votre nièce. Comprenez, c'est sa première année ici, et puis il y a à peine 3 mois que sa mère est morte. Mademoiselle M. a pris tout cela en considération. J'ai une assistante qui travaille exclusivement avec elle, mais par correction envers mes 26 autres élèves... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Monsieur Nagel, votre nièce ne parle toujours pas. Oui, mais les médecins disent que c'est assez fréquent. C'est une enfant timide et anxieuse, et avec le choc de la disparition de sa maman... Je suis sûr qu'elle reparlera un jour. Mais pour l'heure, elle ne parle pas. Et nous pensons qu'il est préférable pour tout le monde qu'elle fasse une année de plus en maternelle. Pardon ? Oli est une fille extrêmement douée. Je vous en prie, laissez-lui un peu de temps. Mais nous ne voulons que son bien. Je vous conseille de reprendre rendez-vous avec son pédiatre. Elle n'a rien. Elle n'est peut-être pas malade, mais on peut lui prescrire des antidépresseurs. Je crois savoir que c'est efficace dans certains cas de mutisme. Bonjour, secrétariat de l'école élémentaire Peabody. Bonjour, c'est Mark Nagel. Est-ce que je pourrais parler à Madame Stewart, s'il vous plaît ? Je vous passe Madame la directrice. Bonjour Mark, comment ça va à Seattle ? Et comment va votre nièce ? C'est l'objet de mon appel. J'ai l'intention de m'installer à Friday Harbor. Vous pensez qu'il serait possible d'admettre Lee dans votre école, juste après Thanksgiving ? C'est une petite fille sérieuse, extrêmement discrète. Vous n'entendrez pas le son de sa voix. Eh bien, ça veut dire qu'elle tient de votre sœur, parce qu'on se souvient encore des 3 frères Nagel. Oui, elle a aucun de nos défauts, c'est certain. J'ai décidé de rentrer dès demain. Garde ton sandwich pour plus tard. Tu veux pas faire un effort ? T'as pratiquement rien mangé. Et ton petit Duffy ? Il mangera plus tard, lui aussi ? Shelby, ça va ? Les bagages sont prêts. J'ai pratiquement fini. Il me reste plus que le lit de Holly à démonter.
Marc, des écoles, il y en a plein d'autres à Seattle. Shelby, je sais que c'est précipité. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu étais décidée dans la journée. J'y pensais depuis un bon bout de temps. Waouh, c'est vrai? Je me rends compte que c'est pas très sympa pour toi. Mais ça peut être intéressant d'avoir mes frères pas loin. J'aurai plus de temps pour toi, pour moi, pour nous. Génial, sauf que tu sembles oublier que toi, tu seras sur l'île et moi ici. Tu sais, ce sera pas... T'en fais pas, on se débrouillera. Ouais. Si tu veux, tu peux monter dire bonjour à Oli. Non. C'est toi que je venais voir. Je voulais simplement te dire au revoir avant que tu t'en ailles. Ah, tu peux rester, je te préparerai un bon dîner. Des bons dîners, j'ai déjà donné. Oh. Peut-être une prochaine fois. Il se pourrait que je vienne te rejoindre. D'accord. T'es contente? Plutôt angoissée. Oh. Mais je suis prête. Tant mieux. T'as quitté ton affreux boulot et je t'ai aidée dans ton déménagement, alors c'est pas le moment de me dire qu'on a fait tout ça pour rien. Après ce que je viens de vivre, je peux me lancer dans n'importe quelle aventure périlleuse, il pourra rien m'arriver de pire. Hé, hey, Olive, regarde comme Maggie est gentille. Elle va nous offrir un chocolat chaud. Oh, tu veux un chocolat chaud? Allez, on y va. Je te mets au régime, Olive. Oh, hé, hey, un petit ours perdu. Tiens, il n'a pas la moindre égratignure. Wow, c'est drôle. On a les mêmes. Les grands esprits se rencontrent. Merci, vous venez de sauver deux filles. Oh, adorable. T'as vu ça? Il est craquant. Mais non, je voulais parler de la petite fille. Oh, t'es pas drôle. De chocolat chaud, s'il vous plaît. D'accord. Alors, sinon, j'ai pris de l'écru pour les murs du magasin. Sympa, non? On dirait du blanc. Avec cet éclairage. C'est vrai, mais c'est de l'écru, écru. Et pour les murs de l'appartement, de l'écru, tapisserie en lin. Voilà, mesdemoiselles, de chocolat merci. Chaud. Merci, merci. Oh, Olive mange n'importe quoi. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ma colocataire l'a abandonnée pour pouvoir partir au Pérou. Je cherche, mais je trouve personne pour l'adopter. Oh, je suis sûre que tu serais très heureux sur cette île, hein, ma grande. Ah non, 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 non. Non. Oli, tu vois là-bas? Ben, c'est exactement à cet endroit que ta mère m'a appris à nager. Et elle m'a offert des lunettes de plongée avec lesquelles je pouvais voir le fond. Tu ne savais pas ça, hein?
Ma cafétéria, considérée comme la meilleure de l'île. Tu te souviens du bon café? Ah, ne dis à personne que tu y as goûté. Cette enseigne, d'où vient-elle? C'est la dame qui m'a demandé de l'accrocher. Décrochez-la, s'il vous plaît. D'accord. Oh, bonjour. Bonjour. J'ai vu le monsieur qui accrochait l'enseigne dehors. J'en suis très fière. C'est moi qui ai signé le concept. Et ces murs? C'est moi. Je crois que le rose est plus doux et surtout plus accueillant. Et cru, c'est pourtant ce qu'on avait dit. Mais croyez-moi, le rose, c'est bien plus joli. Et c'est vous aussi, la moquette? Oh, elle est très résistante et elle offre un très bon rapport qualité-prix. Lise, je veux les carrés en damier multicolore. Maggie, on ouvre dans une semaine. Nous avons une magnifique boutique. Ce n'est pas le moment de changer quoi que ce soit. J'ai pris les devants. J'ai également passé une commande de jouets pour les enfants entre 6 mois et 5 ans. J'ai été surprise que vous ayez omis de le faire. J'ai travaillé dans le métier du jouet pendant 6 ans. Si je voulais ces jouets, je les aurais commandés moi-même. J'ai d'autres idées pour mon magasin. Où est le coin lecture? L'espace est tellement mieux exploité non, avec... Non et non. Ce n'est pas ce que je veux. Maggie, je sais ce que c'est. Vous êtes anxieuse, vous créez votre propre entreprise. Mais heureusement, je suis là pour vous guider. Ça fait plus de 10 ans que je gère ces locaux. J'ai connu 3 différents propriétaires. Et croyez-moi, je sais ce que je fais. Détendez-vous, soyez tranquille. Faites-moi confiance. Ne faites pas cette tête. L'inauguration est pour bientôt. Soyez optimiste. On peut arborer un sourire et être néanmoins très sérieuse. Je suis extrêmement sérieuse. Au revoir. Responsable commercial. Sûrement à la banque, en train d'encaisser son dernier chèque. Je l'ai renvoyé. Non, tu plaisantes. Je pensais que t'avais l'intention d'ouvrir avant Thanksgiving. Qui va t'aider maintenant? Oh, s'il te plaît, aide-moi au moins à passer le coup de feu du week-end. Je crois pas qu'ici ce soit la même folie le week-end d'après Thanksgiving. On est sur une île et t'es en train de me demander de pas dîner chez maman le seul jour de l'année où elle cuisine. Cathy, j'ai besoin de toi. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Tu te rends compte de la chance que t'as? T'es sur une île que t'as toujours adorée, avec la personne que tu aimes le plus au monde, moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as qu'à dire que tu effectues des recherches pour ton master de marketing, pourquoi pas? C'est mon dernier semestre. Je te nourris. Tu adores que je te nourrisse. Je garderai Olive. Tu la gardes toute la vie? Pas du tout, je la garde temporairement quelques temps. C'est clair? Parce que tu vas t'activer pour lui trouver un nouveau maître. Promis. Bon, tu vas vite retourner à la cafétéria et essayer de me trouver 2 personnes prêtes à travailler le week-end prochain. Non, dépêche-toi! Voilà une surprise. Descends au lit. Viens dire bonjour, oncle Scott. Content de te trouver là? Les gens pensent tous à la dinde de Thanksgiving et en oublient leur maison. Salut, Choupinette. Tu te souviens d'oncle Scott? Eh, tu viens t'installer ou quoi?
Tes travaux avancent bien? Tu vas voir. Waouh! Des murs, carrément. Entièrement isolés. Et voici l'oncle Alex. Hey, salut, étranger. Comment ça va? Ah, ça irait un petit peu mieux si tu pouvais t'habiller. Ah, salut, Oli. Est-ce qu'un bol de céréales te ferait plaisir? Oh, méfie-toi, c'est des céréales bonnes pour la santé, pleines de fibres, qui ont le goût du sable. N'empêche que les bienfaits d'un aliment passent avant son goût. Pour toi, ouais. Bon, je reviens. Alors? Cette fois, il est là pour combien de temps? Je crois qu'il a dit un mois, le temps qu'on lui accorde une nouvelle bourse. Sa dernière obsession, c'est l'étude des champignons marins. Il a arrêté de parler du virus Ebola, c'est déjà ça. Ma puce, j'ai besoin de parler avec oncle Marc. On revient dans 2 minutes. Si je suis venu, c'est parce que c'est mieux pour la petite. C'est à toi que Ricky a confié sa fille, pas à moi. Non mais arrête, pour ça je te demande rien. J'ai juste besoin de 2 chambres, Scott. Ou d'une qu'on partagera. Non, les colocations, merci, j'ai déjà donné. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été obligé de la retirer de l'école. Elle parle toujours pas? Non. Mais le docteur a dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter. C'est ce que tu dis depuis le début. Je te paierai un loyer. Comme Alex, je paierai pour nous deux. Combien de temps? Disons 2 mois. Le temps que je récupère mon appartement. Et en plus, t'es en plein travaux, t'auras besoin d'un coup de main. J'accepte le coup de main. Mais j'espère que la petite va nous aider. Parce que les outils et toi... Très drôle. Ouais. Allez, très drôle. Allez, viens m'aider. J'avais un ours, moi aussi, quand j'étais petit. Il s'appelait Frankie. C'était le plus beau nounours du monde. Mais Scott a versé un pot de crème au chocolat sur sa tête. Et le chat a dévoré Frankie. Le chat ne s'en est jamais remis, d'ailleurs. Ils vont rester quelque temps avec nous. Oh! Soyez les bienvenus. N'entre pas dans ma chambre. Ouais, ça a l'air d'aller. J'ai dit à oncle Scott que tu aimais prendre ton bain le soir et que tu dormais avec la lumière allumée. Waouh! Pour être rose, c'est rose. Ouais. Bon, ben voilà. Toi, je t'ai mis un matelas près du matériel de sport. Merci. De rien. Waouh! C'est rose. Ouais, ça me rappelle ta chambre quand t'étais petit. Très drôle. Il y a une conférence de bioénergétique à la bibliothèque, ça vous intéresse? Il est là pour combien de temps, lui? Et lui, il est là pour combien de temps? Arrêtez. Le temps que ma bourse arrive. Un conseil, évite oncle Alex, tu ne t'en porteras que mieux. Cette peinture n'a pas du tout l'effet que j'espérais. L'écru est en train de perdre la bataille contre le rose fuchsia. On aurait dû mettre une première couche. Oh, tu parles, ça aurait servi à rien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais savoir aux parents que je reste là pour Thanksgiving. Et oublie pas que tu m'as engagée pour te soutenir moralement. Prends ton rouleau, dépêche-toi. Oh, ces murs sont de plus en plus hauts ou c'est moi? Tu sais, finalement, je commence à aimer le rose fuchsia. Moi aussi. Tu vois, ta chambre est pas si mal. À vrai dire, je crois... Non, je suis sûr qu'elle est encore plus grande que ton ancienne chambre. On va ajouter un peu plus de rose sur les murs. Et là, tu verras, ce sera tellement bien que tu auras envie d'inviter tes nouveaux amis à la maison. Bon, alors, notre histoire, où est-ce qu'on s'était arrêté,
Oh, je me souviens. Tu es avec ton ami Duffy sur le dos de Mathilda, l'énorme alligator. Vous vous promenez dans le lagon du zoo. Tu entends les grillons ? Brou, brou. Mathilda ouvre sa gueule bien grand. Elle la referme violemment. Zut ! Flûte, encore ratée. Oh. Il est temps, grand temps, qu'elle se mette quelque chose sous le dent. Elle meurt de faim. Et elle sait bien qu'elle a promis de ne pas te manger. Fais-moi rire, petite fille, fais-moi oublier que j'ai faim. Autrement, je me verrai dans l'obligation de te manger. Ah, c'est écœurant. C'est mes moisissures. Tu peux pas les garder dans ton placard ? Non, elles doivent rester dans leur environnement. Allez, hop, 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 c'est l'endroit parfait pour mes cultures. Tu me rappelles mon ancienne copine. On se demande pourquoi elle t'a quitté. Bon, il va falloir respecter quelques règles. Pour commencer, on doit être habillé à toute heure dans les pièces communes. Ensuite, il est conseillé de frapper aux portes avant d'entrer. D'accord. Cracher, ouais. Dire les gros mots, rôter, ça aussi, on s'abstient. Bah, on rôte pas, nous. Non, non, je peux compter sur vous ou pas ? Ouais, bien sûr. Et quand elle est avec vous ? Oh là, doucement, moi je m'en occupe pas. Non, mais au cas où je devrais m'absenter pour une raison urgente, vous ne devez pas la quitter les yeux. D'accord. Ouais. Et si vous avez le moindre doute, vous m'appelez. Très bien. Bon, je dois m'occuper de l'inscrire à l'école et passer faire le point au boulot. Alors, je me disais que l'un de vous deux pourrait peut-être rester avec elle juste pour la matinée. 3 heures maxi. Allez, les gars, là, j'ai besoin d'un petit coup de main. Je suis super occupé. Je peux pas aujourd'hui. Et si vous sortez, vous pouvez au moins me faire quelques courses. D'accord. Je vais y aller avec Oli. Vite, 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 faut pas qu'on soit en retard. Attention à la marche. Non, je sais rien. Cara, regarde qui est là. Oh, salut, Oli. Tu te souviens de mon amie Cara ? Bien sûr qu'elle s'en souvient. Puisque t'es là, est-ce que tu pourrais vérifier le café éthiopien qu'on vient de nous livrer ? Non, j'ai vraiment pas le temps ce matin. Oh. Oh, zut, j'ai oublié mon sac dans la voiture. Est-ce que tu peux lui faire manger quelque chose ? Il y a que des céréales bizarres à la maison, hein ? Je reviens tout de suite. Oh, bien sûr. Coucou. Kay, tu peux me préparer un petit déjeuner pour Oli ? Oui, Cara, tout de suite. Je sais, des tartines à la confiture de fraises. Tu vas adorer. Le ferry, c'est ça ? Oui, c'est ça, hier. Mais c'est vous qui avez sauvé Duffy. Bonjour. Bonjour. Oh. Salut. Non, non, je m'apprêtais à entrer dans la cafétéria. Non, tu te sens pas obligé. Bon, d'accord. On y va, Olive. 6 heures. Comment il s'appelle, votre chien ? Oh. Olive. Olive, c'est mignon. C'est la chaîne de ma sœur. Je m'en occupe pendant quelques jours. Ah, ça commence comme ça, et puis... Et puis quoi ? On se retrouve à vivre avec Olive. Ah non, 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 non. C'est juste en attendant de lui trouver une nouvelle maison. J'adore les animaux, c'est pas la question, mais... En ce moment, je suis en mode sans chien. C'est ça, en mode sans chien, et vous promenez un chien. Je vous le dis, la prochaine étape, il vient dormir dans votre lit. Ah, j'ai l'impression que l'étape a déjà été franchie. Ah. Oui, Madame Stewart. C'est très gentil de me rappeler. Oui, je pensais passer à l'école dans la matinée et remplir les documents dont vous avez besoin. Eh ben, on a faim, ce que je vois. Et encore, j'ai limité. Au fait... Un enfant, ça se nourrit, c'est comme nous, tu sais, ça mange. Merci, je tâcherai de m'en souvenir. Sinon, comment ça va chez Scott ?
Tu connais mon frère? Je le connais. Pour vous retrouver comme quand vous étiez jeune? Pas tout à fait. Heureusement, Oli est là pour tempérer. Bon, en tout cas, si tu as besoin d'une copine pour t'écouter, je suis là. Merci, c'est une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu as laissé à Seattle? Eh bien, ce que j'ai laissé là-bas reste là-bas, en attendant qu'on soit vraiment installé ici. Bon, on m'attend, il faut que j'y aille. Est-ce que je peux vous laisser? Oui. Allez, à plus tard. Et Oli, je te souhaite un joyeux Thanksgiving, d'accord? À toi aussi, Marc. Au revoir. Quoi? Tu crois qu'on peut faire un dîner pour Thanksgiving? Ça ferait plaisir à Oli. Ah, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Et qui va s'en occuper? Alex, il est très doué pour ça. Super, je te laisse l'appeler. D'accord, je vais l'appeler. Ah, évidemment. Quoi? T'es obligé de me répondre sur ce ton? Qu'est-ce que tu veux? T'habites chez moi, Alex, alors sois plus aimable. Pardon, en quoi puis-je vous être utile, ô maître vénéré? On va fêter Thanksgiving. Ah oui? Pourquoi? Parce que c'est ce que font toutes les familles. Pas la nôtre, mais on va s'y mettre. Je pense être capable de faire cuire une dinde. Bon. Alors tu t'en occupes? Prévois quand même un plan de secours, Scott. Allô? Allô? Voilà. Ah ouais, ça change tout. Quelle idée, ce gazon synthétique. Ouais, là, c'est parfait. Tu peux me dire merci? Oui, c'est grâce à toi, j'oubliais. J'espère que tu sauras te montrer généreuse. Disons la moitié de ton chiffre d'affaires. Aide-moi à enlever ça. C'est quoi, une poupée ermite qui vit là-dedans? C'est pas une maison de poupée, c'est une maison de fées. Ah, si tu le dis. Dire que je devrais être dans le Colorado en ce moment. Ouais, avec Tim. Et ta belle famille. N'empêche que ses parents sont très gentils. Dommage que t'aies pas pu les épouser. Lui en donne pas. Elle est contente, la pauvre. Elle est pas contente, elle est ballonnée. À quoi tu joues? À la Belle au bois dormant? Oui, Oli. Prends un petit déjeuner avec Alex. Et voici la plus grosse dinde que vous pourrez voir aujourd'hui. Un magnifique et gigantesque ballon. Des centaines d'enfants sont heureux d'assister à cette parade. Vous avez raison, oh. Ryan. C'est un grand moment. Cette dinde géante qui passe devant le regard émerveillé de ses enfants et de leurs parents sur la 7e avenue. J'espère que le pain que Oli est en train de manger vient de mon placard et pas du tien. Toi, tu finis la farce. Scott s'occupe des patates douces, marshmallows, haricots verts. Et moi, je vais faire cuire la... Où est la dinde? Tu as mis une dinde fraîche au congélateur? Ouais. $180 degrés. Ouais, ouais, ça fait 5 fois que tu me le dis. Ouh, fais pas chaud. Attends, doucement, doucement. Ça va, j'ai compris. Bon, tourne-toi. Wow, 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 wow. Température. 180, ça va pas, 200 c'est mieux. La chair sera plus tendre et elle sera plus dorée. C'est 5 minutes. Sûr? 5 minutes, bien. Ça a l'air ridicule. Cela donne un avant-goût de ce que sera Noël à New York. Comme le disait Cathy tout à l'heure, c'est une très belle journée. Nous avons un temps magnifique. Thanksgiving demeure une fête traditionnelle très... Cette année, la parade emprunte un trajet légèrement différent des années précédentes. Elle va descendre la...
C'est l'heure. Pas trop tôt. 200. On y va tout doucement. D'accord. Oh, les gars! Oh non. Holly! Holly! Elle est là, avec moi! Elle est belle, la dinde de Thanksgiving. Ça aurait pu être bien pire pour une fois. Me regarde pas comme ça. C'est pas moi qui ai mis le four sur nettoyage automatique. C'est en te faisant confiance que j'ai fait une erreur. La réussite appartient à ceux qui tentent leur chance. Bah, tu la tentes pas souvent. La prochaine fois, je vous promets. La prochaine fois, tu vas nous empoisonner. Hé, moi au moins j'essaie. Je me casse la tête, je reste pas là les bras croisés. Hé, les gars. Pas devant Holly. Je suis chez moi, ne me dis pas ce que je dois faire. Waouh, sans blague. Ouais. Qu'est-ce que tu crois, petit frère? Ça va, la ferme. Toi, la ferme. Ben, c'est à vous deux de la fermer. Toi, tu la fermes. Il faut que tu mettes du tien. Je ferai ce que je peux. Mais faut pas qu'il rêve. Laisse-lui une chance. Il a jamais élevé de petite fille, il sait pas ce que c'est. Et Holly a des problèmes psychologiques en plus. Alors il est pas sorti de l'auberge. Qui peut le faire à sa place? Toi? Non, c'est pas ce que je dis. Holly n'a pas prononcé un mot depuis la mort de Vicky. Aucun de nous n'est armé pour ce genre de problème. Arrêtez, vous me donnez des complexes à courir comme ça. Je juge personne, je me permettrai pas. Vous brûlez vos calories de Thanksgiving? J'essaie de garder la forme. Et c'est moi qui ouvre la boutique de jouets en ville. Félicitations. Merci. Ah, c'est beau comme endroit. Ouais, c'est très joli, je trouve. Vous avez mal digéré la dinde? Si vous saviez. Oh, c'est trop fréquenter mes frères, ça ne réussit pas. Ah bon? Oui, Thanksgiving, c'est plus vraiment une fête dans ma famille. Ça date de mes 15 ans, quand mon père n'est jamais revenu d'un voyage d'affaires. Ma mère a décidé que c'était fini. Pour nous, Thanksgiving, c'était devenu un jour ordinaire. Jusqu'à aujourd'hui. Désolé, je vous déballe toute ma vie en 2 secondes. Un jour, j'ai raconté ma vie en 4 heures à un parfait inconnu dans l'avion. D'accord. Alors, vaut mieux arrêter, vu que nous serons probablement amenés à nous revoir souvent. Oui, d'autant plus que vous avez une petite fille et que j'ai une boutique de jouets. Mais je crois pas qu'elle soit attirée par les jouets. Ah, d'accord. À bientôt. Au revoir. C'est un rêve de petite fille, de posséder pas un simple magasin de jouets, mais une maison où les jouets habitent, où les enfants viennent leur rendre visite et ne veulent plus repartir. Parce que dans chaque petit recoin, il y a une nouvelle surprise, un jouet étonnant, un coin de lecture féerique. J'ai conçu ce lieu de façon à ce que chacun croie que nous sommes de véritables fées. C'est une maison où les enfants ont le droit de venir rêver. Maggie, c'est des jouets. C'est vrai. Oui, je m'égare. Soyez aimable, proposez, suggérez, mais ne forcez pas, d'accord? C'est l'heure. Les filles, à vos postes. On est bien le week-end de Thanksgiving. Oui. Oh. Bonjour, bienvenue. Je suis Maggie. Bonjour. Bienvenue dans ma boutique. Est-ce que je peux vous aider? Vous avez des toilettes? Oui, bien sûr. Tout droit, au fond, derrière la porte rose. Merci. Ça a l'air délicieux, t'en as de la chance. J'en viens à regretter d'avoir déjeuné sur le ferry. Tiens. Oh, t'es un amour. J'ai hâte que tu vois tous les beaux vêtements que je t'ai apportés. Tu vas craquer. Et moi, je suis très content que Shelby ait pris le temps de t'acheter de nouveaux habits.
tu vois. Parce que elle, c'est une vraie pro, c'est sûr. T'aurais été déçu s'il avait fallu compter sur oncle Marc. Moi, j'aurais payé pour voir ça. Tu es entre de bonnes mains, Oli. Et que penses-tu de celle-ci? Les collants, ils sont parfaitement assortis. C'est magnifique. On devrait peut-être la laisser choisir elle-même les vêtements qui lui plaisent. Oh non, regarde, elle va être superbe. Mais tu as sûrement raison. D'ailleurs, elle a l'air fatiguée. Tous ces vêtements sont magnifiques, n'est-ce pas, Oli? Elle va se faire de nombreux amis. Est-ce que... il ne serait pas l'heure de la sieste pour cette petite? Tu pourrais demander à quelqu'un de la garder le temps qu'on aille faire un peu de shopping. Je suis contente d'avoir pu rencontrer tes frères. Je comprends mieux qui tu es. J'espère avoir été à la hauteur. Quoi? Tu plaisantes? T'as été absolument géniale. C'est joli. La prochaine fois, on essaiera de prendre le temps. Pas la baguette magique. Les ailes de la fée. Olive. Arrête, coquine. On lèche pas. Désolée, ma puce. Non, c'est pas grave. Bonjour. 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 Je m'appelle Shelby. Je sais même pas comment vous vous appelez. Oh, Maggie. On s'est rencontrés sur le ferry. D'accord. Je vais faire le tour du magasin. D'accord. Si vous avez besoin de conseils... celui-ci dans le même style. Oui, j'ai vu, mais il est trop imposant. Je cherche quelque toi, chose de... Toi, Olive, t'as tout de suite adopté. Eh ben, c'est réciproque, on dirait. Tu peux venir lui rendre visite quand tu veux. Je le prends, c'est exactement ce que je cherche. C'est gentil comme proposition. Hein, Oli? Oui, c'est on a d'autres. Elle est pas très bavarde en ce moment. D'accord. C'est pas grave, on a tout le temps. Elle est mignonne. De toute façon, j'en reviendrai. Je ne manquerai pas de m'arrêter la prochaine fois, si j'ai un peu plus de temps. Avec plaisir. Chérie, il faut qu'on y aille si je veux avaler un morceau avant de reprendre le ferry. Ah oui, on reviendra bientôt. Quand vous voulez. La prochaine fois, essaie de lui vendre quelque chose au lieu de le dévorer des yeux. Je ne l'ai pas dévoré des yeux. Il est marié. Tu l'as dévoré des yeux. Et il n'est pas marié. Autrement, je pense que sa femme porterait une alliance. Ah, t'es... C'était chouette. Ouais. C'est gentil d'être venu nous rendre visite. Le plaisir était pour moi. Départ du ferry à destination de Bellingham dans 5 minutes. Départ du ferry à destination de Bellingham. Notre histoire progresse, mine de rien. On vient de franchir la troisième étape. De quoi est-ce que tu parles? La troisième étape vers une relation amoureuse stable. Déjà la troisième étape? J'ai raté la une et la deux? Non, on les a franchis dès le premier mois. Et la troisième, c'est quoi? Me présenter à ta famille. Oh, et c'est quoi la suivante? C'est un truc en 12 étapes, c'est ça? Non, il y en a que 5, mais je te dis pas lesquelles, sinon tu voudras les éviter. Tiens-moi au courant pour les deux qui restent, parce que je ne veux vraiment rien rater.
tes stylos, tes crayons de couleur, tes feutres. Alex t'a préparé un sandwich, un yaourt et une pomme pour ton déjeuner. Oh, c'est chouette, tout va bien se passer, tu verras. Sois bien sage, comme d'habitude. Allez, on y va, ma grande. Moi, je vais rester là pour guetter les petits voyous. Ceux à qui tu ressemblais quand t'avais 6 ans. Ouais, c'est ça. T'as pas besoin que je t'accompagne? Non, tu peux rentrer. Bon, bah, j'y vais. Les enfants, voici une nouvelle camarade de classe, Holly Nagel. Bonjour, Holly. Elle arrive de Seattle. Je compte sur vous pour être gentille avec elle, les enfants, d'accord? Reprenons. Lisons ces mots qui se terminent en I. Sky, fly, try, shy, fly, dry. Excellent. Tu crois pas que je ferais mieux de laisser tomber mes études et vivre à tes frais? Laisse-moi réfléchir. Non. Oh, c'est pas juste, je me suis attachée à cette île. Tu pourras venir nous rendre visite très régulièrement. Tu vas être drôlement heureuse ici, ma petite Olive. Je crois qu'elle a trouvé sa vraie maison. Non, on a dit temporairement. Mais regarde-la, elle voudrait poser ses valises une bonne fois pour toutes. On reste sur ce qu'on a dit. D'accord. Dans mes bras. Ça fait rien, je sens ton amour, Olive. Maggie. Désolée. C'est que tu vas tellement me manquer. Tu vas t'en sortir. Ça va être fantastique. Le déjeuner de ma nièce. Il vous faut un pass. Vous devez venir avec moi. Passe. Oh. C'est un vrai. Tu me crois pas? Bon, faites vite. Déjeuner avec toi. Je suis l'oncle de Holly. Vous vous appelez comment? Chloé. Et c'est qui le chef de table? Vous êtes bizarre. Je viens de voir Holly, tout se passe bien. J'ai les commandes numéro 21, 16, 17, 18 et 20. 16. Merci. 21, c'est pour moi. Tiens, on se retrouve? Oui, je savais qu'on se reverrait. Je ne connais toujours pas votre prénom. Marc. Qu'est-ce que vous avez pris? Du thon au pain complet. Vous avez le mien, c'est ça? Hé, dame, l'œuf salade, c'est pas pour moi. Hein. Ah, vous avez un œuf salade? Oui, madame. Bon, et qui c'est qui a kidnappé le thon au pain complet? Tu mélanges les tickets et les commandes?
C'est pas possible. Fais un effort, Nathan, s'il te plaît. Désolé. T'as des nouvelles de Holly? Elle va bien. Pourquoi? C'est son premier jour. Ah ouais? Et alors? Alors elle a intérêt à se concentrer. Sur quoi? Tu comprends rien, toi, hein? Ouais, normal, parce que toi, t'étais hyper populaire, Marc aussi, alors que moi, pas du tout. J'avais l'impression d'être le nouveau de la classe tous les jours de la semaine et tout au long de l'année. Alors je me concentrais à fond sur mes devoirs d'école pour éviter de penser aux gamins qui se moquaient de moi. Quoi? Tu crois que les autres se moquent d'elle? Peut-être bien. Non, Marc dit que tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il en sait? Bonsoir, ça a été? Je pense que Holly a passé une bonne journée. C'est vraiment une petite fille adorable. Oui, c'est sûr. Je sens tout de même qu'il va falloir un petit temps d'adaptation, alors n'hésitez pas, si vous le jugez nécessaire, à me demander une liste de médecins ou de psychothérapeutes qui puissent l'aider. D'accord. On vient de rentrer de l'école. Elle a passé une super journée. Ses vêtements ont eu beaucoup de succès. Ça me fait plaisir. Elle se sent mieux ici, il n'y a aucun doute. Oui, j'en suis certain. J'ai fait le bon choix en venant m'installer ici. C'est une bonne nouvelle, je suis contente. Au fait, Holly et Bill me demandent si on pourrait dîner avec eux le week-end prochain, juste avant les vacances de Noël, tu sais. Tu crois que tu pourras être là? Faut que je vérifie sur mon agenda si c'est possible, je te dirai. J'aimerais que tu fasses un effort. Hé, dis donc, tu me demandes de découcher, là. Eh oui, les filles aiment rêver. C'est leur sport préféré. C'est un nouveau café. Il a beaucoup de succès. Holly. Ah. Holly. Holly. Qu'est-ce qui se passe? T'aurais pas vu Holly? Non. Shelby, il faut que je te laisse. Non, attends, s'il te plaît. Je vais voir dans les toilettes. Oui. Excusez-moi, vous auriez pas vu une petite fille sortir d'ici? Non. Non. Marc, elle est pas là. Holly! Holly! Vous l'auriez pas vu une petite fille? Vous l'auriez pas vu une petite fille? Demandez où vous étiez. Oh, Holly, ne me fais plus jamais ça. Excusez-moi, je savais pas où elle était. C'est rien, ça arrive parfois. Ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Mais tout va bien, pas vrai? Viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde, c'est une maison très spéciale et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une maison habitée par une fée. Jusqu'à présent, je n'ai pu voir que ses ailes et je ne connais pas son nom. Mais ce que je sais, c'est qu'à la nuit tombée, elle arrive pour veiller sur ma boutique. Et parfois, lorsque je suis seule et qu'il n'y a pas un bruit, je sens sa présence. Elle est très importante pour moi. Mais je veux bien partager ce secret avec toi. Elle sera notre fée à toutes les deux. T'es d'accord? Waouh! C'est drôlement gentil. Je suis sûr que ça lui ferait plaisir. Viens, je vais te montrer autre chose. Approche. Tu vois ça? Waouh! J'aurais jamais cru voir cette couleur chez moi un jour. Ouais. Ça me rappelle Vicky. Sa chambre était rose, pareil. Je te l'ai pas dit, mais j'apprécie vraiment ce que tu fais pour nous. On pourrait mettre des petits placards en bas pour ses affaires. On est là à bricoler alors qu'on pourrait être dehors à s'amuser. Ah oui, tiens, à ce propos, Shelby aimerait que je vienne passer le week-end avec elle à Seattle. Pas de problème, vas-y. T'en es sûr? Oui, je suis là, Alex aussi, et puis c'est quoi, 24 heures maxi?
Chouette. Sachant qu'elle dort 9 heures. Super, ça me rassure. Ah, tu vas quand même pas vivre comme un moine jusqu'à ses 18 ans. Laisse-moi tranquille. Est-ce que tu crois vraiment que c'est vivable comme situation pour toi et pour Oli? Arrête, Scott. Tu devrais peut-être te poser la question, y réfléchir, pour son bien. Je la confierai à qui? Mais voyons les choses en face, t'es trop jeune. Pourquoi t'as accepté un tel fardeau? Je comprends pas. C'est sûrement pour ça que Vicky m'a choisi. Tu peux expliquer? Pour moi, Oli n'est pas un fardeau. Oh, doucement, c'est pas ce que je voulais dire. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais bien, pas la peine de t'inquiéter. Je sais, je prends des nouvelles, c'est tout. Qui t'a chargé de le faire? Maman? Non. Enfin si, maman et papa. Ça part d'une bonne intention. Ils veulent savoir quoi? Je mange, je dors bien, je commence à avoir une bonne clientèle. Ouais, et t'as rencontré des gens à part ça? Des amis? Je peux pas, je suis trop occupée avec le magasin. Rencontrer des gens, c'est vital pour toi. Il est temps. Il est même plus que temps. J'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? J'ai vu Tim. Il est fiancé. Mais c'est rien. Tout va bien. T'as un magasin à faire tourner. Au bout de 6 mois à peine. Ça m'est égal. Tant mieux. Je suis sûre que le prochain sera complètement différent. Oh, mais j'ai pas le temps de penser au prochain. Bon, bah, en tout cas, il faut que tu sortes. Et arrête de manger des produits congelés. Tiens, un revenant. Je suis en plein travaux à la maison. Ah. Salut. C'est bien ce qu'il joue. Ouais. Il sera content de savoir que t'es venu. C'est normal. J'allais pas rater ça. Bonsoir. Vous servez encore à manger? Voici la carte. Merci. Ah. N'essayez surtout pas de trouver autre chose que des sandwichs et de la friture dans ce bar. La salade du chef? Karl, un hamburger. Tout de suite. Et surtout pas de sauce, hein? Ah. Vous vous appelez Maggie? Oui. Tout se sait sur l'île. Les commérages et les rumeurs tournent en boucle. Ah. Moi, c'est Kara. Enchantée. Et lui, c'est Scott, un ami, qui est aussi le frère de mon associé. Marc et Kara sont les patrons de la cafétéria. Marc, le papa de la petite Oli? Oli est notre nièce. Marc n'est que son tuteur. Oh! Il est plus que ça. Une adorable petite fille qui ne parle pas beaucoup. Qui ne parle pas du tout. Elle a beaucoup souffert. C'est bien que Marc l'ait amenée vivre ici. On verra. Vous dînez avec nous? Le musicien qui joue ce soir, c'est mon demi-frère. Je viens le soutenir moralement. D'accord, merci. Super. Tu devrais t'approcher. Ici, il y en a plein. Je crois que j'aperçois une écrevisse. Si j'étais toi, je viendrais voir. Ça ressemble à un tout petit homard. Non, t'as bien raison. Reste là. J'ai surtout pas envie que tu perdes un orteil. Au fait, je pars bientôt dans le Maine pour étudier la relation entre la symbiotique du homard américain et les bactéries à gram négatif. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Viens, ma grande. Dans ta main.
Est-ce que tu veux toucher Sandy, l'étoile de mer? Elle est molle comme une éponge rose. Allez, tends ta main. Elle arrive, attention. Hop. C'est doux avec une note de chocolat. C'est bon, ça rappelle l'arôme du tamarin. Ah oui, il a énormément de succès, ce café éthiopien. Je t'en ai apporté quelques kilos. Tu sais quoi? Tu me diras ce qu'en pensent tes clients. Hein? C'est d'accord. Merci, Marie. Merci à toi. Tiens. Bonjour. Ah, pas d'olive? Une de mes employées joue les babysitters. Ah. Où est Oli? Mes frères jouent les babysitters. On est libre, alors? J'ai passé une commande au nom de Maggie. 6 beignets, 4 au sucre et 2 à la crème. C'est pas pour moi. J'ai rien dit. C'est vrai, c'est pour mon personnel, des adolescents. Bien sûr. Cela dit, je peux vous en offrir un? Non, je n'en mange plus. Depuis que mes frères ont parié 10 dollars que je pourrais pas en manger 12. Ouh, j'ai été malade, une horreur. Ça remonte à 2 jours. Non, je plaisante, j'avais 12 ans. Ah, merci. Il m'est arrivé la même chose avec du pop-corn. Heureusement que c'était pas des beignets. J'adore les beignets. Tenez, gardez la monnaie. Vous êtes sûr que ceux-là, ils sont pas pour vous? C'est gentil d'avoir choisi ma cafétéria. C'est normal, même si j'aime pas le café. Quoi? J'ai arrêté, c'est mauvais pour la santé. Y a pas meilleur tonifiant et c'est plein d'antioxydants et de composés phytochimiques. Je suis sûre que c'est faux. La plupart des gens en boivent pour la caféine, mais c'est mieux de dire que c'est bon pour la santé. J'ai une idée. Je vais vous faire goûter mon meilleur café et après vous jugerez. Très bien. Je veux bien essayer un jour, mais c'est pas mon truc. Ah oui? Et c'est quoi votre truc? J'en ai pas vraiment. Tout le monde a un truc, on dit bien chacun son truc. C'est vrai. Bon, alors en ce qui me concerne, j'ai mon magasin, je fais un bon risotto et je sais danser le river dance. Sans blague? Ouais. Premier prix du Pacific Northwest Dance en 1996. Vous êtes une championne de danse irlandaise? Oui, je vous dis que j'ai remporté le premier prix. Ah, arrêtez, je connais personne qui danse le river dance à part en Irlande. Vous êtes fait mal? Ça remonte à quelques années. Ça va aller? Oui, je dois y aller. Merci. Oh. Au revoir. N'oubliez pas de mettre un peu de glace dessus. Merci. Oh. Allô, professeur Peterson. Mais c'est pourtant un objet d'étude riche et passionnant, je comprends pas ce... Bon, je vais voir. D'accord, au revoir. Ça sent bon, c'est des hamburgers. Oli, à table! C'est des aubergines au parmesan. Tu te crois où, dans un fast-food? La petite arrive, elle descend. On mange des hamburgers, c'est ça? Non, des aubergines au parmesan. Bon, j'ai plus ma bourse. Mangez. Je suis vraiment désolé. Des années de recherche. Bah, tu vas finir ta thèse. Tu vas pas tout abandonner. Je sais pas encore. Je pourrais peut-être élargir le sujet de ma thèse, changer d'angle de vue, faire une demande ailleurs. T'es trop doué pour t'arrêter à un détail pareil. Il faut que t'ailles jusqu'au bout. C'est un vrai régal. Ah oui, c'est très bon. Je vous apporte à boire? Hé, hey, les gars, venez voir. Cookies? Lait chocolaté? Pâte au fromage. Et... carottes. C'est considéré comme de la communication verbale? Je dirais que oui. Thank you.
On faisait la course jusqu'en bas de la montagne et j'allais pas la laisser gagner. Vous connaissez mon tempérament. Vous m'auriez vu sur mon scooter à l'arrivée, on aurait dit un bonhomme de neige. Excusez-moi, j'en ai pour une toute petite seconde. Oui, Alex, ça va? Comment ça se passe? Non, 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 t'excuses pas. T'as bien fait de téléphoner. Attends, je te rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? Ollie est souffrante. Elle a de la fièvre. Oh, bon, elle s'en remettra. T'as pas à t'inquiéter. C'est une bonne chose. Tu lui donnes l'occasion d'apprendre à connaître ses oncles et pour eux, c'est une nouvelle expérience. C'est toujours plus dur avec le premier enfant. On s'inquiète dès qu'il a de la fièvre. Mais les enfants sont très solides. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Personnellement, je n'ai rien contre le fait que Marc s'en occupe autant. Je sais que plus tard, il fera un bon père. Je préfère rentrer à la maison. Ce soir? Là, tout de suite? Ali, Bill, vous nous excusez? Bien sûr. Marc. Que ce soit bien clair, je ne te demanderai jamais de choisir entre Ollie et moi, ce serait cruel. Mais je pense que ce soir, elle peut se passer de toi, et moi pas. Tes frères sont parfaitement capables de gérer ce problème. Je le sais, mais j'ai besoin d'être là-bas, j'ai besoin d'être auprès d'elle. Il est impensable pour moi de passer une bonne soirée sachant que ma fille est malade. Mais Ollie n'est même pas ta fille. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Shelby, c'est mon enfant. Elle est sous ma responsabilité. Alors je passerai jamais en premier. Jamais. C'est bien ça. Non, jamais. Et j'en suis désolée. Parce que tu mérites de passer en premier. Mais ce sera pas avec moi. Tu peux t'en aller. Oui. Je m'en vais. Les gars, on est là. Je l'ai aidé à faire ses devoirs et d'un coup, elle a eu de la fièvre. D'accord. Ça va, Trésor? T'étais pas obligé d'entrer. J'ai géré la situation. Je sais. Mais j'avais envie d'entrer. La fièvre est tombée et elle est remontée il y a une demi-heure. Attends, tu vas t'asseoir un petit peu. Voilà. Tu peux m'apporter un gant humide? Est-ce que t'as mal au ventre? Apporte-moi une bassine. Ok. Hey, tu vas vite te sentir mieux, t'inquiète pas. Je suis là maintenant. T'es ma grande fille. He saw her standing through the window pane. She looked like yesterday. He saw her leaving him again. She's the one who got away. She's the one who got away. Salut, salut. Je viens de commander à manger. Oh, génial. Encore quelque chose plein de calories. Qu'est-ce que tu penses du guitariste? Il est mignon. Si t'as personne, sache qu'il est libre, mais je te pousse pas. Oh, merci, non. Au fait, moi j'ai grandi ici, mais toi, pourquoi t'as choisi cette île? Quand j'étais petite, j'y passais mes étés. J'ai toujours adoré. J'ai grandi, travaillé en ville, mais en fait, mon rêve c'était d'ouvrir un magasin ici. J'ai été à deux doigts d'abandonner ce rêve récemment, mais heureusement, je suis là. La région est chouette et les gens vraiment sympas. T'as raison, les gens sont très gentils. Tu vas les rencontrer souvent, alors tant mieux si tu les apprécies. Ah oui, c'est vrai. Ton associé, par exemple, Marc, je le rencontre partout. Hein? Je me suis complètement ridiculisée devant lui l'autre fois. Comment ça? On était au bord du trottoir, devant mon magasin, et j'ai dansé la gigue. Une danse irlandaise? La river dance? Michael Flatley? Oh, formidable! Non! Oh non, c'est marrant! J'ai toujours été attirée par ce style de danse, tu vas m'apprendre! Oh non, sûrement pas. Allez! Tu vas montrer, tu vas danser.
5 minutes, d'accord? T'as des devoirs à faire et moi j'ai du travail. Dépêche-toi. Offrir une maison à une fée, ce n'est qu'un premier pas. Si tu lui donnes un prénom, là, elle deviendra ton amie. Et elle veillera sur toi toute la vie. Est-ce que tu veux bien m'aider à trouver un prénom pour ma fée? Parce que moi, j'ai pas du tout envie qu'elle s'en aille. Et si elle a un prénom, elle restera. Oh. Et c'est mon vœu le plus cher. C'est pour toi. Merci, Maggie. Oli, il faut qu'on y aille maintenant. J'ai un travail qui m'attend. Très bien. Je vous envoie le devis dès que possible. Range tes affaires et prends ta douche avant le dîner. Hein. Je vous remercie d'avoir pensé à moi pour ce chantier. Merci. Au revoir. Alex, je prépare à manger. Amène-toi. Oli a parlé. Wow. On s'emballe pas. On se détend. Il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Alors, comme ça on parle et on dit rien à oncle Scott? Tu peux me parler à moi? Les gars, fichez-lui la paix. Tiens, pour commencer, dis-nous qui est ton oncle préféré. Mais non, c'est trop nul. Et si, ils s'en remettront, tu peux y aller, t'as le droit de le dire. Pour vous, pour avoir aidé Oli à reparler. Et parce que je m'inquiète pour votre santé. Je pense qu'elle était prête. C'est vraiment un très bon café. Modestie mise à part. Merci. Je connais un endroit super sympa où on peut manger très tard. Si vous voulez, je peux passer vous prendre juste après la fermeture demain. D'accord. Bon. À demain. Ma sœur était adorable. Elle est partie d'ici dès qu'elle a pu. Seattle, pour elle, c'était formidable. Elle aimait la musique, l'art. Elle était complètement dans son élément. Elle est sortie avec quelques garçons. Et un jour, elle m'a téléphoné pour dire qu'elle était enceinte, qu'elle voulait le garder.
Qui est le père? Je pense qu'elle le lui a caché. J'ai essayé de le savoir. Elle m'a dit qu'il valait mieux qu'il soit pas au courant. Hyper courageux. Elle était persuadée de pouvoir l'élever seule. Et elle a eu raison. Elle a toujours été incroyable. Et quand Oli est née, elle est venue me demander si elle pouvait me désigner comme tuteur. J'ai répondu que je saurais pas élever un enfant. Elle a dit, il te suffira de l'aimer. Et le reste suivra. Alors j'ai dit oui. Pensant que ce serait jamais nécessaire. Que Victoria n'aurait jamais besoin de moi pour ce genre de choses. Et puis ce jour est arrivé. Victoria? Comme notre fée. Je suis désolé, j'avais pas l'intention d'assombrir la soirée. Je suis bien mieux ici qu'à la maison. Côté conversation, Olive n'est pas ce qu'il y a de mieux. À moins que ça vienne de vous. Oui. Je devrais sortir plus souvent. Bah, qu'est-ce qui vous en empêche? C'est pas comme si vous aviez ouvert un magasin et que vous aviez pas une minute pour vous. C'est très dur. Hé, vous aimez votre métier. Et passionnément. Ça marchera. Merci. En fait, quand j'ai démissionné, mes collègues m'ont tous prise pour une folle. Se lancer toute seule dans le commerce. Mais c'est vraiment ce que je voulais. Et danser dans Spring Street? Attention, le dessert. Préparé tout spécialement pour vous. Oh. Votre commande habituelle. Merci pour ce dîner. Ça a été... drôle. Oui. Vous m'avez fait rire. Et pleurer, et danser. Oui, on peut le dire. Marc, je vous aime bien, mais qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'en sais rien. Disons que j'espérais... Je vous aime bien, moi aussi. Excusez-moi. Je suis pas du genre à voler les copains des autres filles. Je doute que Holly nous en veuille. Et Shelby? Oh, Shelby, non, c'est fini. C'était trop difficile. Elle a pas su s'adapter à ma vie telle qu'elle est maintenant. Je suis papa. Oui, je comprends que ça puisse poser problème. Parce qu'il n'y a que Holly qui compte. Oh. Merci pour cette soirée. Vraiment, j'ai été ravi. Merci d'avoir dîné avec moi. De rien. Je sais exactement où on va l'accrocher. Tout en haut, hein. On respire mieux là-haut, non? Ça y est, oncle Scott. Bien. Est-ce qu'on rentre à la maison pour Noël? Oh, question pour oncle Marc. On va rester ici. On va fêter Noël avec tous tes oncles. Mais mes décorations sont à la maison. T'inquiète pas, on peut s'arranger pour les faire venir. De toute façon, faut que tu saches que partout où on est ensemble, c'est la maison. Mais si jamais maman revient? Ah. Holly. Ta maman ne sera jamais là, comme on est là tous les deux. Ta maman, elle est à l'intérieur de toi, de moi, d'oncle Scott. Et donc l'Alex? Oui. Et chaque fois qu'on pense à elle, elle aussi, elle pense à nous. Alors ça veut dire qu'elle pense à moi tout le temps? J'en suis certain. Allô? Salut, grande sœur. Je sais que je devrais pas te harceler, mais comment ça va? Je travaille. C'est vrai?
Vous pouvez prendre ça? Oui, merci. Finalement, je pense que je te harcèle pas suffisamment. Bon. Je suis sortie... avec quelqu'un, plus ou moins. Oh, raconte. Avec qui? Marc, le papa. Je t'avais dit qu'il était pas marié. C'est vrai. Mais... Oh non. Je t'intéresse? Mais je crois que je l'ai un peu refroidi. Vas-y, dis-le. Tu lui as pas dit non? Si, plus ou moins. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il a sûrement mal interprété. Tant pis. Tu sais, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Attends, c'est peut-être mieux comme ça? Tu te moques de qui? Tu t'entends parler? Je sais pas, Cathy, je suis peut-être pas prête. Maggie, écoute-moi. Ouais? Tim? Lui est prêt. Il a tourné la page. Tu vas pas être en deuil toute ta vie. Ne le laisse pas gagner la partie. Encore moins si ce gentil garçon te fait les yeux doux. Chez Vicky. Il en est où, ton château de sable, Lee? Ça avance. Ah. J'ai une nouvelle bourse? J'ai une nouvelle bourse d'études! C'est comme si j'avais trouvé un travail. Et en plus, c'est ici, dans le détroit de Puget. C'est vraiment là, tout près. Est-ce que ça veut dire que tu pourras garder ta chambre? Tu serais prête à demander à Oncle Scott de me garder? Alors oui, c'est possible. J'ai une bourse! Ouais! Ouais! Moi, je me souvenais pas de ça. Pourquoi je ne me souviens pas de cette photo? J'en sais rien. Tu te rappelles le jour où elle a annoncé qu'elle partait? Ouais, j'avais 11 ans. Oui, c'était une gamine. Elle avait quoi, 19 ans? Papa était complètement anéanti. Mais elle adorait Seattle. Je crois que si elle est restée aussi longtemps sur l'île, c'est uniquement à cause de toi. T'étais son chouchou. Je l'ai supplié de rester. Elle m'a promis de toujours revenir pour moi. Et c'est vrai. Elle m'a jamais laissé tomber. T'as été sa joie de vivre. T'étais le bébé, le préféré. En tout cas, elle serait pas fière de moi aujourd'hui. Pourquoi tu dis ça? Enfin, à cause de Holly, je l'ai emmenée loin de tout, loin de ce qu'elle connaît, loin de sa vie ici. Vicky serait sûrement pas contente. Vicky savait parfaitement que toi, tu ne quitterais jamais l'île. Ton travail est là-bas, tes amis, ta maison est là-bas. Je suis persuadé qu'elle savait, au fond d'elle, que s'il lui arrivait malheur, tu ramènerais Holly à Friday Harbor. Je voudrais être sûr de ne pas faire d'erreur. On te trouve tous irréprochables.
Elle a bien fait de t'avoir choisi. Bon. On prendra le reste des cartons après les vacances de Noël. D'accord ? C'est ton préféré. C'est mon oncle préféré. Comme oncle Scott. Et est-ce que tu veux bien être mon papa? Oui. Bien sûr, mon ange. Pour toujours. Excuse-moi, ma puce, je reviens. Décidément, où que l'on aille, nos chemins finissent toujours par se croiser. Cette fois, je vous cherchais. Vous m'avez trouvé. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire l'autre soir. Oh, si, c'était très clair. Vous avez un enfant. Et donc, certaines filles ne sont pas prêtes à l'accepter. Oui, je sais. Mais il y a d'autres filles, enfin... Il y en a une qui n'y voit aucun inconvénient. Surtout si l'enfant s'appelle Oli. Je me disais... Enfin, j'espérais que vous accepteriez de me revoir. Et de partager quelques beignets avec moi. Oui, avec grand plaisir. Vous êtes partante pour beignets et café? Ah, c'est très joli. Oli, regarde. C'est ta maman et nous trois quand on était tout petit. Enfin, tout petit. T'as vu comme tu lui ressembles? T'as pas changé, toi, là-bas. C'est toi qui as pas grandi. Et j'en suis très fier. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Comme vous le savez, ma demande de bourse a été rejetée. Je ne pars pas dans le Maine, mais je viens de recevoir une réponse à ma nouvelle demande qui a été acceptée ici, dans l'État de Washington. Et donc, je me demandais s'il serait possible de continuer à louer une chambre chez toi. Toi, pendant des années, avec tes moisissures? J'ai jamais su te dire non, malheureusement. Seulement cette fois, il y a une condition. Oh. Tant que tu peux me supporter, t'es chez toi. Merci. Quant à toi... Toi... tu peux rester ici toute ta vie. Je pense qu'on restera sûrement moins longtemps qu'Alex. Restez aussi longtemps que vous voudrez. Ho, ho, ho! Bonsoir et joyeux Noël! Bonsoir et joyeux Noël! Ouais, Olive s'est habillée pour Noël. Et wow. Oui. Et on a une surprise pour toi dehors. Oh, attends, reviens, ne sors pas sans ton manteau. Reviens, jeune fille. Viens, oui. Tu crois qu'elle est là? Oh, j'en suis certaine.
Il faut regarder de très très près pour la voir, c'est ça? Absolument. Est-ce que je peux la garder? Elle est à toi. Ouais, oncle Scott, oncle Alex, j'ai le droit de la garder. Quelle chance! Et ne manquez pas Beauty and the Beast ce soir à 20h50 sur W. Tu peux le porter sur tes épaules? Viens. Alors c'est vrai, Alex c'est ton préféré. C'est mon oncle préféré. Comme oncle Scott. Et est-ce que tu veux bien être mon papa? Oui. Bien sûr, mon ange. Pour toujours. Marc! Excuse-moi, ma puce, je reviens. Décidément, où que l'on aille, nos chemins finissent toujours par se croiser. Cette fois, je vous cherchais. Vous m'avez trouvé. Je crois que vous n'avez pas compris ce que je voulais dire l'autre soir. Oh, si, c'était très clair. Vous avez un enfant. Et donc, certaines filles ne sont pas prêtes à l'accepter. Oui, je sais. Mais il y a d'autres filles, enfin, il y en a une, qui n'y voit aucun inconvénient. Surtout si l'enfant s'appelle Oli. Au revoir. Responsable commercial? Sûrement à la banque, en train d'encaisser son dernier chèque. Je l'ai renvoyé. Non, tu plaisantes. Je pensais que t'avais l'intention d'ouvrir avant Thanksgiving. Qui va t'aider maintenant? Oh, s'il te plaît, aide-moi au moins à passer le coup de feu du week-end. Je crois pas qu'ici ce soit la même folie le week-end d'après Thanksgiving. On est sur une île. Et t'es en train de me demander de pas dîner chez maman le seul jour de l'année où elle cuisine. Cathy, j'ai besoin de toi. Je t'aime et j'ai besoin de toi. Tu te rends compte de la chance que t'as? T'es sur une île que t'as toujours adorée, avec la personne que tu aimes le plus au monde, moi. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu n'as qu'à dire que tu effectues des recherches pour ton master de marketing, pourquoi pas? C'est mon dernier semestre. Je te nourris. Tu adores que je te nourrisse. Je garderai Olive. Tu la gardes tout... C'est vrai. Mais... Oh non. Je t'intéresse? Mais je crois que je l'ai un peu refroidi. Vas-y, dis-le. Tu lui as pas dit non? Si, plus ou moins. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il a sûrement mal interprété. Tant pis. Tu sais, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Attends, c'est peut-être mieux comme ça? Tu te moques de qui? Tu t'entends parler? Je sais pas, Cathy. Je suis peut-être pas prête. Maggie, écoute-moi. Ouais? Tim? Lui est prêt. Il a tourné la page. Tu vas pas être en deuil toute ta vie. Ne laisse pas gagner la partie. Encore moins si ce gentil garçon te fait les yeux doux.
C'est dur de revenir chez Vicky. Vous êtes sûr que ceux-là, ils sont pas pour vous ? C'est gentil d'avoir choisi ma cafétéria. C'est normal, même si j'aime pas le café. Quoi ? J'ai arrêté, c'est mauvais pour la santé. Y a pas meilleur tonifiant, et c'est plein d'antioxydants et de composés phytochimiques. Je suis sûre que c'est faux. La plupart des gens en boivent pour la caféine, mais c'est mieux de dire que c'est bon pour la santé. J'ai une idée. Je vais vous faire goûter mon meilleur café et après vous jugerez. Très bien. Je veux bien essayer un jour, mais c'est pas mon truc. Ah ouais ? Et c'est quoi votre truc ? J'en ai pas vraiment. Tout le monde a un truc, on dit bien chacun son truc. C'est vrai. Bon, alors en ce qui me concerne, j'ai mon magasin, je fais un bon risotto et je sais danser le river dance. Sans blague ? Ouais, premier prix du Pacific Northwest Dance en 1996. Vous êtes une championne de danse irlandaise ? Oui, je vous dis que j'ai remporté le premier prix. Ah, arrêtez, je connais personne qui danse le river dance à part en Irlande. Vous vous êtes fait mal ? Ça remonte à quelques années. Ça va aller ? Oui, je dois y aller. Merci. Oh. Au revoir. N'oubliez pas de mettre un peu de glace dessus. Ah. Salut. C'est bien ce qu'il joue. Ouais. Il sera content de savoir que t'es venu. C'est normal, j'allais pas rater ça. Bonsoir. Vous servez encore à manger ? Voici la carte. Merci. Ah. N'essayez surtout pas de trouver autre chose que des sandwichs et de la friture dans ce bar. La salade du chef ? Carl, un hamburger. Tout de suite. Et surtout pas de sauce, hein ? Ah. Vous vous appelez Maggie ? Oui. Tout se sait sur l'île. Les commérages et les rumeurs tournent en boucle. Ah. Moi, c'est Cara. Enchantée. Et lui, c'est Scott, un ami, qui est aussi le frère de mon associé. Marc et Cara sont les patrons de la cafétéria. Marc, le papa de la petite Holly ? Holly est notre nièce. Marc n'est que son tuteur. Oh ! Il est plus que ça. Une adorable petite fille, qui ne parle pas beaucoup. Qui ne parle pas du tout. Elle a beaucoup souffert. C'est bien que Marc l'ait amenée vivre ici. On verra. Vous dînez avec nous ? Le musicien qui joue ce soir, c'est mon demi-frère. Je viens le soutenir moralement. Psychothérapeute qui puisse l'aider ? D'accord. On vient de rentrer de l'école. Elle a passé une super journée. Ses vêtements ont eu beaucoup de succès. Ça me fait plaisir. Elle se sent mieux ici, il n'y a aucun doute. Oui, j'en suis certain. J'ai fait le bon choix en venant m'installer ici. C'est une bonne nouvelle, je suis contente. Au fait, Ali et Bill me demandent si on pourrait dîner avec eux le week-end prochain, juste avant les vacances de Noël, tu sais. Tu crois que tu pourras être là ? Faut que je vérifie sur mon agenda si c'est possible, je te dirai. J'aimerais que tu fasses un effort. Hé, dis donc, tu me demandes de découcher, là ? Eh oui, les filles aiment rêver. C'est leur sport préféré. C'est un nouveau café. Il a beaucoup de succès. Holly ? Holly ? Holly ? Qu'est-ce qui se passe ? T'aurais pas vu Holly ? Non. Shelby, il faut que je te laisse. Non, attends, s'il te plaît. Je vais voir dans les toilettes. Oui. Excusez-moi, vous auriez pas vu une petite fille sortir d'ici ? Non. Non. Marc ? Elle est pas là. J'aimerais que tu fasses un effort. Hé, dis donc, tu me demandes de découcher, là. Eh oui, les filles aiment rêver. C'est leur sport préféré. C'est un nouveau café. Il a beaucoup de succès. Holly ?
Oli. Oli. Qu'est-ce qui se passe? T'aurais pas vu Oli? Non. Shelby, il faut que je te laisse. Non, attends, s'il te plaît. Je vais voir dans les toilettes. Oui. Excusez-moi, vous auriez pas vu une petite fille sortir d'ici? Non. Non. Marc, elle est pas là. Oli! Oli! Vous l'auriez pas vu une petite fille? Vous l'auriez pas vu une petite fille? Demandez où vous étiez. Oh, Oli, ne me fais plus jamais ça. Excusez-moi, je savais pas où elle était. C'est rien, ça arrive parfois. Ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Mais tout va bien, pas vrai? Viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde, c'est une maison très spéciale et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une maison habitée. Shelby, ça va? Les bagages sont prêts. J'ai pratiquement fini. Il me reste plus que le lit de Oli à démonter. Marc, des écoles, il y en a plein d'autres à Seattle. Shelby, je sais que c'est précipité. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu étais décidée dans la journée. J'y pensais depuis un bon bout de temps. Waouh, c'est vrai? Je me rends compte que c'est pas très sympa pour toi. Mais ça peut être intéressant d'avoir mes frères pas loin. J'aurai plus de temps pour toi, pour moi, pour nous. Génial, sauf que tu sembles oublier que toi, tu seras sur l'île et moi ici. Tu sais, ce sera pas... T'en fais pas, on se débrouillera. Ouais. Si tu veux, tu peux monter dire bonjour à Oli. Non, c'est toi que je venais voir. Je voulais simplement te dire au revoir avant que tu t'en ailles. Ah, tu peux rester, je te préparerai un bon dîner. Tes bons dîners, j'ai déjà donné. Oh. Peut-être une prochaine fois. Il se pourrait que je vienne te rejoindre. D'accord. J'ai un peu plus de temps. Avec plaisir. Chérie, il faut qu'on y aille si je veux avaler un morceau avant de reprendre le ferry. Ah oui, on reviendra bientôt. Quand vous voulez. La prochaine fois, essaie de lui vendre quelque chose au lieu de le dévorer des yeux. Je ne l'ai pas dévoré des yeux. Il est marié. Tu l'as dévoré des yeux. Et il n'est pas marié. Autrement, je pense que sa femme porterait une alliance. C'était chouette. Ouais. C'est gentil d'être venu nous rendre visite. Le plaisir était pour moi. Départ du ferry à destination de Bellingham dans 5 minutes. Départ du ferry à destination de Bellingham. Notre histoire progresse, mine de rien. On vient de franchir la troisième étape. De quoi est-ce que tu parles? La troisième étape vers une relation amoureuse stable. Déjà la troisième étape? J'ai raté la une et la deux? Non, on les a franchis dès le premier mois. Et la troisième, c'est quoi? Me présenter à ta famille. Oh, et c'est quoi la suivante? C'est un truc en 12 étapes, c'est ça? Non, il y en a que 5, mais je te dis pas lesquelles, sinon tu voudras les éviter. Tiens-moi au courant pour les deux qui restent, parce que je ne veux vraiment rien rater. Certain. Allô? Je sais que je devrais pas te harceler, mais comment ça va? Je travaille. C'est vrai? Vous pouvez prendre ça? Oui, merci. Finalement, je pense que je te harcèle pas suffisamment. Bon, je suis sortie... Avec quelqu'un, plus ou moins. On raconte. Avec qui? Marc, le papa. Je t'avais dit qu'il était pas marié. C'est vrai. Mais... Oh non. Je t'intéresse? Mais je crois que je l'ai un peu refroidi. Vas-y, dis-le. Tu lui as pas dit non? Si, plus
quelque chose qu'il a sûrement mal interprété. Tant pis. Tu sais, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Attends, c'est peut-être mieux comme ça? Tu te moques de qui? Tu t'entends parler? Je sais pas, Cathy, je suis peut-être pas prête. Maggie, écoute-moi. Ouais. Tim, lui est prêt. Il a tourné la page. Tu vas pas être en deuil toute ta vie. Ne laisse pas gagner la partie. Encore moins si ce gentil garçon te fait les yeux doux. Tu es entre de bonnes mains, Oli. Et que penses-tu de celle-ci? Les collants, ils sont parfaitement assortis. C'est magnifique. On devrait peut-être la laisser choisir elle-même les vêtements qui lui plaisent. Oh non, regarde, elle va être superbe. Mais tu as sûrement raison. D'ailleurs, elle a l'air fatiguée. Tous ces vêtements sont magnifiques, n'est-ce pas, Oli? Elle va se faire de nombreux amis. Est-ce que... il ne serait pas l'heure de la sieste pour cette petite? Tu pourrais demander à quelqu'un de la garder le temps qu'on aille faire un peu de shopping. Je suis contente d'avoir pu rencontrer tes frères. Je comprends mieux qui tu es. J'espère avoir été à la hauteur. Quoi? Tu plaisantes? T'as été absolument géniale. C'est joli. La prochaine fois, on essaiera de prendre le temps. Tiens, d'ici? Non. Non, Marc? Elle est pas là. Où vous étiez. Oh, Oli, ne me fais plus jamais ça. Excusez-moi, je savais pas où elle était. C'est rien, ça arrive parfois. Ça aurait pu être dangereux. Il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Mais tout va bien, pas vrai? Viens, je vais te montrer quelque chose. Regarde, c'est une maison très spéciale et je vais t'expliquer pourquoi. C'est une maison habitée par une fée. Jusqu'à présent, je n'ai pu voir que ses ailes et je ne connais pas son nom. Mais ce que je sais, c'est qu'à la nuit tombée, elle arrive pour veiller sur ma boutique. Et parfois, lorsque je suis seule et qu'il n'y a pas un bruit, je sens sa présence. Elle est très importante pour moi, mais je veux bien pas... Cette année, la parade emprunte un trajet légèrement différent des années précédentes. Elle va descendre la route. C'est l'heure. Pas trop tôt. 200. On y va tout doucement. D'accord. Oh, les gars! Oh non. Oli! Oli! Elle est là, avec moi! Elle est belle, la dinde de Thanksgiving. Ça aurait pu être bien pire pour une fois. Me regarde pas comme ça. C'est pas moi qui ai mis le four sur nettoyage automatique. C'est en te faisant confiance que j'ai fait une erreur. La réussite appartient à ceux qui tentent leur chance. Bah, tu la tentes pas souvent. La prochaine fois, je vous promets. La prochaine fois, tu vas nous empoisonner. Hé, hey, moi au moins j'essaie. Je me casse la tête, je reste pas là les bras croisés. Hé, hey, hé, hey, hey, les gars. Pas devant Oli. Je suis chez moi, ne me dis pas ce que je dois faire. Waouh, sans blague. Ouais, qu'est-ce que tu crois, petit frère?
Ça va, la ferme. Toi, la ferme. C'est à vous deux de la fermer. Toi, tu la fermes. Comprenez, c'est sa première année ici, et puis il y a à peine 3 mois que sa mère est morte. Mademoiselle M. a pris tout cela en considération. J'ai une assistante qui travaille exclusivement avec elle, mais par correction envers mes 26 autres élèves... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Monsieur Nagel, votre nièce ne parle toujours pas. Oui, mais les médecins disent que c'est assez fréquent. C'est une enfant timide et anxieuse, et avec le choc de la disparition de sa maman... Je suis sûr qu'elle reparlera un jour. Mais pour l'heure, elle ne parle pas. Et nous pensons qu'il est préférable pour tout le monde qu'elle fasse une année de plus en maternelle. Hein ? Pardon ? Oli est une fille extrêmement douée. Je vous en prie, laissez-lui un peu de temps. Mais nous ne voulons que son bien. Je vous conseille de reprendre rendez-vous avec son pédiatre. Elle n'a rien. Elle n'est peut-être pas malade, mais on peut lui prescrire des antidépresseurs. Je crois savoir que c'est efficace dans certains cas de mutisme. Bonjour, secrétariat de l'école élémentaire Peabody. Bonjour, c'est Mark Nagel. Est-ce que je pourrais parler à Madame Stewart, s'il vous plaît ? Je vous passe, Madame la directrice. Bonjour, Mark. Comment ça va à Seattle ? Et comment va votre nièce ? C'est l'objet de mon appel. J'ai l'intention de m'installer à Friday Harbor. Vous pensez qu'il serait possible d'admettre Lee dans votre école, juste après Thanksgiving ? C'est une petite fille sérieuse, extrêmement discrète. Vous n'entendrez pas le son de sa voix. Eh bien, ça veut dire... Si je vous laissais jouer, je les aurais commandés moi-même. J'ai d'autres idées pour mon magasin. Où est le coin lecture ? L'espace est tellement mieux exploité non, avec... Et non, ce n'est pas ce que je veux. Maggie, je sais ce que c'est. Vous êtes anxieuse, vous créez votre propre entreprise. Mais heureusement, je suis là pour vous guider. Ça fait plus de 10 ans que je gère ces locaux. J'ai connu 3 différents propriétaires. Et croyez-moi, je sais ce que je fais. Détendez-vous, soyez tranquille. Faites-moi confiance. Ne faites pas cette tête. L'inauguration est pour bientôt. Soyez optimiste. On peut arborer un sourire et être néanmoins très sérieuse. Je suis extrêmement sérieuse. Au revoir. Responsable commercial. Sûrement à la banque, en train d'encaisser son dernier chèque. Timide et anxieuse, et avec le choc de la disparition de sa maman... Je suis sûr qu'elle reparlera un jour. Mais pour l'heure, elle ne parle pas. Et nous pensons qu'il est préférable pour tout le monde qu'elle fasse une année de plus en maternelle. Hein ? Pardon ? Oli est une fille extrêmement douée. Je vous en prie, laissez-lui un peu de temps. Mais nous ne voulons que son bien. Je vous conseille de reprendre rendez-vous avec son pédiatre. Elle n'a rien. Elle n'est peut-être pas malade, mais on peut lui prescrire des antidépresseurs. Je crois savoir que c'est efficace dans certains cas de mutisme. Bonjour, secrétariat de l'école élémentaire Peabody. Bonjour, c'est Mark Nagel. Est-ce que je pourrais parler à Madame Stewart, s'il vous plaît ? Je vous passe, Madame la directrice. Bonjour, Mark. Comment ça va à Seattle ? Et comment va votre nièce ? C'est l'objet de mon appel. J'ai l'intention de m'installer à Friday Harbor. Vous pensez qu'il serait possible d'admettre Lee dans votre école juste après Thanksgiving ? C'est une petite fille sérieuse, extrêmement discrète. Vous n'entendrez pas le son de sa voix. Eh bien, ça veut dire qu'elle tient de votre sœur, parce qu'on se souvient encore des 3 frères Nagel. Oui, elle a aucun de nos défauts, c'est certain. J'ai décidé de rentrer dès demain. Merci pour cette soirée. Vraiment, j'ai été ravi. Merci d'avoir dîné avec moi. De rien.
goes nowhere. Je sais exactement où on va l'accrocher. Tout en haut, hein. On respire mieux là-haut, non? Ça y est, oncle Scott. Bien. Est-ce qu'on rentre à la maison pour Noël? Oh, question pour oncle Marc. On va rester ici. On va fêter Noël avec tous tes oncles. Mais mes décorations sont à la maison. T'inquiète pas, on peut s'arranger pour les faire venir. De toute façon, faut que tu saches que partout où on est ensemble, c'est la maison. Mais si jamais maman revient? Ah. Oli. Ta maman ne sera jamais là, comme on est là tous les deux. Ta maman, elle est à l'intérieur de toi. De moi. D'oncle Scott. Et donc l'Alex? Oui. Et chaque fois qu'on pense à elle, elle aussi, elle pense à nous. Il en est où, ton château de sable, Lily? Ça avance. J'ai une nouvelle bourse. J'ai une nouvelle bourse d'études. C'est comme si j'avais trouvé un travail. Et en plus, c'est ici, dans le détroit de Puget. C'est vraiment là, tout près. Est-ce que ça veut dire que tu pourras garder ta chambre? Tu serais prête à demander à oncle Scott de me garder? Alors oui, c'est possible. J'ai une bourse! Ouais! Ouais! Wow. Je me souvenais pas de ça. Pourquoi je ne me souviens pas de cette photo? J'en sais rien. Tu te rappelles le jour où elle a annoncé qu'elle partait? Ouais, j'avais 11 ans. Oui, c'était une gamine. Elle avait quoi? 19 ans? Papa était complètement anéanti. Mais elle adorait Seattle. C'est vrai qu'on se reverrait. Je ne connais toujours pas votre prénom. Marc. Qu'est-ce que vous avez pris? Du thon au pain complet. Vous avez le mien, c'est ça? Hé, dame, l'œuf salade, c'est pas pour moi. Hein. Ah, vous avez un œuf salade? Oui, madame. Bon, et qui c'est qui a kidnappé le thon au pas complet? Tu mélanges les tickets et les commandes? C'est pas possible, fais un effort maintenant, s'il te plaît. Désolé. T'as des nouvelles de Holly? Elle va bien. Pourquoi? C'est son premier jour. Ah ouais? Et alors? Alors, elle a intérêt à se concentrer. Sur quoi? Tu comprends rien, toi, hein? Ouais, normal, parce que toi, t'étais hyper populaire, Marc aussi, alors que moi, pas du tout. J'avais l'impression d'être le nouveau de la classe tous les jours de la semaine et tout au long de l'année. Alors, je me concentrais à fond sur mes devoirs d'école pour éviter de penser aux gamins qui se moquaient de moi. Quoi? Tu crois que les autres se moquent d'elle? Peut-être bien. Non, Marc dit que tout se passe bien. Qu'est-ce qu'il en sait? Bonsoir, ça a été? Je pense que Holly a passé une bonne journée. C'est vraiment une petite fille adorable. Tu lui as pas dit non? Si, plus ou moins. Quoi? J'ai dit quelque chose qu'il a sûrement mal interprété. Tant pis, tu sais, finalement, c'est peut-être mieux comme ça. Attends, c'est peut-être mieux comme ça? Tu te moques de qui? Tu t'entends parler? Je sais pas, Cathy, je suis peut-être pas prête. Maggie, écoute-moi. Ouais. Tim, lui est prêt. Il a tourné la page. Tu vas pas être en deuil toute ta vie. Ne le laisse pas gagner la partie. Encore moins si ce gentil garçon te fait les yeux doux. Thank you.
C'est dur de revenir chez Vicky. Maison de poupée, c'est une maison de fées. Ah, si tu le dis. Dire que je devrais être dans le Colorado en ce moment. Ouais, avec Tim et ta belle famille. N'empêche que ses parents sont très gentils. Dommage que t'aies pas pu les épouser. Lui en donne pas. Elle est contente, la pauvre. Elle est pas contente, elle est ballonnée. L'heure, à quoi tu joues? À la Belle au bois dormant? Oui, au lit. Prends un petit déjeuner avec Alex. Et voici la plus grosse dinde que vous pourrez voir aujourd'hui. Un magnifique et gigantesque ballon. Des centaines d'enfants sont heureux d'assister à cette parade. Vous avez raison, oh. Maya. C'est un grand moment. Cette dinde géante qui passe devant le regard émerveillé de ses enfants et de leurs parents sur la 7e avenue. J'espère que le pain que Holly est en train de manger vient de mon placard et pas du tien. Toi, tu finis la farce. Scott s'occupe des patates douces, marshmallows, haricots verts. Et moi, je vais faire cuire la... Où est la dinde? Tu as mis une... Mais j'espère que la petite va nous aider. Parce que les outils et toi... Très drôle. Ouais. Allez, très drôle. Allez, viens m'aider. J'avais un ours, moi aussi, quand j'étais petit. Il s'appelait Frankie. C'était le plus beau nounours du monde. Mais Scott a versé un pot de crème au chocolat sur sa tête. Et le chat a dévoré Frankie. Le chat ne s'en est jamais remis, d'ailleurs. Ils vont rester quelque temps avec nous. Oh, soyez les bienvenus. N'entre pas dans ma chambre. Ça a l'air d'aller. J'ai dit à oncle Scott que tu aimais prendre ton bain le soir et que tu dormais avec la lumière allumée. Waouh! Pour être rose, c'est rose. Ouais. Bon, ben voilà. Toi, je t'ai mis un matelas près du matériel de sport. Merci. De rien. Waouh! C'est rose. Ouais. Ça me rappelle ta chambre quand t'étais petit. Au fait, je pars bientôt dans le Maine pour étudier la relation entre la symbiotique du homard américain et les bactéries à gram négatif. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Viens. Viens, ma grande. Dans ta main. Est-ce que tu veux toucher Sandy, l'étoile de mer? Elle est molle comme une éponge rose. Allez, dans ta main. Elle arrive, attention. Hop. C'est doux avec une note de chocolat. C'est bon, ça rappelle l'arôme du tamarin. Ah oui, il a énormément de succès, ce café éthiopien. Je t'en ai apporté quelques kilos. Tu sais quoi? Tu me diras ce qu'en pensent tes clients. Hein? C'est d'accord. Merci, Marie. Merci à toi. Tiens. Bonjour. Ah, pas d'olive? Une de mes employées joue les babysitters. Ah. Où est Oli? Mes frères jouent les babysitters. On est libre, alors? J'ai passé une commande au nom de Maggie. 6 beignets, 4 au sucre et 2 à la...
Dis-nous qui est ton oncle préféré. Mais non, c'est trop nul. Et si, 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 ils s'en remettront. Tu peux y aller, t'as le droit de le dire. Oncle Alex. Oui, oh, oui, oui. Ça désavoué, c'est mon tour. Je suis triste, les tricheurs ne sont pas les bienvenus chez moi. Si tu continues, je ne t'inviterai plus à mon anniversaire, plus jamais. Et j'en parlerai à oncle Donald. Pour vous, pour avoir aidé Oli à reparler. Et parce que je m'inquiète pour votre santé. Je pense qu'elle était prête. C'est vraiment un très bon café. Modestie mise à part.